Ο τέταρτος στόχος είναι προφανές, το λέει και η ίδια η αστυνομία, κάνοντας ένα είδος αυτοκριτικής. Ο τέταρτος στόχος λοιπόν δεν επετεύχθη. Δεν επετεύχθη δηλαδή η προστασία της δημόσιας και της ιδιωτικής περιουσίας. Και μας είπε επίσης η αστυνομία ότι αυτό έγινε γιατί ήταν 2.000 άνθρωποι, εγώ θα πω οι ίδιοι και οι ίδιοι μάλλον, και οι οποίοι λειτουργούσαν λέει, πολύ οργανωμένα και είχαν ένα σχέδιο που διέλυσαν τα πάντα. Ναι. Αυτοί βάζανε άμυνα, αλλά εμείς δεν βάλαμε γκολ. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Des questions après l'explosion de violence hier après-midi à travers le pays. Que s'est-il réellement passé? Qui sont ces milliers de militants qui se réclament d'un mouvement pour le vivant qui ralentissent et parfois même bloquent l'activité dans la plupart des villes? Trafic perturbé, manifestations massives. Gérard Dupin, spécialiste des questions insurrectionnelles et des nouveaux mouvements sociaux, interviendra dans ce journal et nous apportera un écho. Mesdames et messieurs, excusez pour la gêne, coupure momentanée de votre journal télé, car notre voix est à chaise, besoin d'exprimer notre point de vue aux yeux du pays, exprimer pourquoi on a clamé qu'il était urgent de désobéir. Nous ne sommes pas vos ennemis, bien qu'ennemis du système, insurgés du règne mis en place par une bande de vipères. Nous sommes de ceux qui se sont levés pour dire non, fils de la liberté, on se doit d'œuvrer. Parce que leur monde depuis la mort, que tout le vivant est wanted, qu'il ne reflète pas la grandeur que l'humanité porte en elle. Perdu dans sa quête des regrets, plein les doigts, dit aux tortionnaires qu'on ne les laissera pas tuer notre étoile. Le sang de l'égoïsme a rempli chaque page écrite, le même pourra faire du destin collectif une tragédie. Veuillez nous excuser pour cet incident technique, il semblerait que nous ayons quelques problèmes. Excusez les problèmes techniques, faut dire qu'ils ne veulent pas qu'on vous cause. Notre lutte est légitime face à une politique holocauste qui ne changera pas les choses. Ils ont créé les règles telles quelles, telle et telle guerre, tirant profit du centre de terre mère au pied du mur, presque prise au piège. Mesdames et messieurs, ne croyez pas que les gouvernements vous protègent. Se prépare le terreau hors pair du plus grand génocide, la famine dans les pays riches, répression mais aussi des épidémies. Peut-être pour qu'on ait peur de se rassembler, ou juste pour businesser un tas de vaccins empoisonnés. Peut-être, peut-être avec une puce de dents, serait-ce pour de la surveillance ou pour modifier nos états psychiques à l'aide de leur fréquence. L'Occident construit des camps, l'Europe s'appelle prête à réinstaurer la peine de mort spécialement pour les insurgés. Oh, qu'est-ce qui se passe en régie? Ça y est, on a l'antenne. Mesdames et messieurs, nous sommes selon toute vraisemblance victimes d'un piratage malveillant. Les services concernés mettent d'ores et déjà tout en œuvre pour... Et j'ai pas fini, au nom de ceux qui ne veulent plus subir la flamme au cœur, un idéal qui ne peut cautionner vos supplices, l'espoir d'un nouveau souffle. La quête n'est pas terminée, humanité, chaque instant est propice, contient l'éternité, soldat de la paix. Ainsi on s'interroge d'une machine qui assassine, béni soient ceux qui s'interposent, ceux qui construisent autre chose. Mesdames et messieurs, veuillez ouvrir les yeux, car le monde sera votre propre sort. Les cœurs sont irradiés, coffres forts barricadés, tout fleuron du changement finissent sous les matraques des brigadiers. Des flics armés au racisme colonial, des principes honorables écrasés, car ça ne pense qu'au dollar. Zéro au moral, à force de perdre nos vies, nourris au film américain et à la bouffe de Tchernobyl. Putain, on a dit non à la triche des vainqueurs, au dessin demain devient peuple, société redevient peuple. Téléspectateurs, vous venez d'entendre une propagande terroriste faite par des personnes irresponsables. La police nous informe qu'il s'agit d'un groupuscule connu de leur service et qualifié de... Mesdames et messieurs, ne les écoutez pas. Pas de débat face aux dégâts. Le mensonge sort de la bouche des médias. Ils veulent nous baïonner. Aux tortionnaires distribuent des médailles. Le pilier le plus fonctionnel du terrorisme d'État. Coup d'éclat venu clamer à vous autres. Oh, et qu'on a plein de belles choses à construire et que personne viendra nous sauver. Tout sonner dehors, sur la foi reste l'or. Êtes-vous d'accord? Que ce monde ne reflète pas le rêve de l'homme. Révolution intérieure, dès lors qu'on comprend qu'il faut porter le changement dedans pour qu'il puisse éclore. L'urbain sera l'exode, que le verbe nous honore, car c'est les enfants de la terre contre les armées du vautour. Mesdames et messieurs, nous sommes ces jeunes qu'on ghettoise. Rappelez-vous de nos paroles lorsqu'ils nous diront terroristes. À l'antenne, c'était Arca du clan des Wanted. Comme un écho d'une promesse lointaine. C'est des conneries. Mesdames et messieurs, nous réitérons nos excuses après cet acte révoltant. Nous venons de récupérer définitivement l'antenne. Nous insistons sur le fait que ce groupuscule étant extrêmement dangereux, tout ce que vous venez d'entendre n'est naturellement que pur mensonge. Η αλληλεγγύη στον αγώνα σας είναι για μας κάτι το αυτονόητο. Το πενθήμερο και το οκτάωρο έχει δικαίωμα για να το κατοκυρώσουμε σαν εργαζόμενοι. Δεν μπορούμε εμείς να το διαλύσουμε.
όλο αυτό το διάστημα, τη διετία του μνημονίου, υπήρχαν πάρα πολλοί αγώνες. Πολύ λίγοι φτάσανε μέσα στα δελτία των 8.